Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo, un nouveau haul. Je suis allée à Primark hier et franchement, j'étais juste surprise de la nouvelle collection de Primark. C'était juste trop beau. Ils avaient vraiment des vêtements assez à la mode, un peu bohème, etc. Et j'aime beaucoup moi ce genre de vêtements. Mais j'en ai pas pris parce que c'était assez cher. Plus c'est tendance, plus c'est cher, j'ai l'impression. Hein. Donc je suis allée à Primark et j'ai vu des figurines, les gars. La Belle et la Bête, j'ai vu le chandelier là, comment il s'appelle? Lumière, qui a celui avec l'horloge, la théière et les tasses. Genre j'étais en mode putain, il me les faut de fou. C'était 12 ou 13 euros la figurine, genre elle était hyper grande la figurine, hein. J'avais trop envie de les prendre et tout, tu vois, genre ça me démangeait, je suis passée au moins 15 fois devant et je me suis dit, où est-ce que tu vas mettre ça? Voilà, et je me suis dit, non, bon, tant pis, mais j'aurais trop aimé les avoir, genre c'est... Oh my god, c'était trop beau. Donc j'en ai eu pour 230 euros je crois, et ouais, 233 euros, et je me suis fait rembourser de deux articles après parce que ça m'allait pas ou j'aimais pas trop. Donc je vais vous présenter un peu tout ça. C'est parti. Je suis désolée si vous entendez les gosses. Normalement, ils doivent rentrer de leur récré. Donc, bon, voilà. Sinon, j'ai reçu une superbe montre de la marque Rothschild. C'est une marque que j'affectionne énormément depuis des années. Je veux trop acheter une de leurs montres, mais j'ai jamais vraiment eu l'occasion. J'ai toujours eu ma montre Clous, tu vois, toujours avec moi. Et là, ils m'ont proposé de m'envoyer une montre. Ils m'ont envoyé ça dans une boîte blanche avec la marque écrite en gold. Je trouve ça vraiment très joli, très classe. Et à l'intérieur, vous avez une petite montre noire. Il y a beaucoup de styles de montres différentes. C'est ça que j'ai aimé dans leur marque. Et ils font aussi des bijoux vraiment super joli. Je vous mettrai de toute façon le site en barre d'infos et le lien de la montre en barre d'infos. Donc moi j'ai pris une montre, en fait ça se clip. Alors c'est la première fois que j'ai ça, c'est la première fois aussi que j'ai une manchette un peu effet acier. Alors c'est très agréable, hein. C'est pas du tout chiant à porter, j'aime vraiment beaucoup. Donc moi j'ai pris avec le cadran noir, mais vous avez d'autres cadrans, enfin vous avez beaucoup de choix sur leur site et vraiment j'aime bien. En plus ils font des soldes en ce moment, donc n'hésitez pas à les checker. Donc moi j'ai pris la noire et ça s'accroche très facilement, en fait c'est très facile. Donc comme ça vous avez le petit petite accroche juste là, après vous la réglez en fonction de votre taille, vous la mettez et ce petit accroche là, vous la mettez là, vous appuyez et c'est terminé. Vous n'avez pas de petites languettes, tu vois, qui traînent un peu partout, genre qui s'abîment, etc. Franchement, j'aime bien, très bonne qualité. Elle va moins s'abîmer que celle que j'avais avant. Et en plus, celle que j'avais avant, c'était lui qui m'avait offert, donc j'avais envie de changer de montre parce que c'était un peu lassant. Et là, franchement, je suis trop contente de ma montre. Elle est trop belle. Donc merci beaucoup de me l'avoir envoyée. J'aime vraiment beaucoup. J'ai un code promo pour vous que je vous afficherai juste là et en barre d'infos, donc n'hésitez pas à les checker. Mais en tout cas, merci beaucoup de... Enfin, cette marque-là, je l'adore, franchement. Leurs bijoux, en plus, sont trop beaux. Ils font de super beaux pendentifs. Leurs montres, elles sont pépites. Genre, il y a un peu de tous les styles. Il y a des montres avec des cadrans carrés et tout. Genre, c'est vraiment stylé. Donc, voilà, moi, j'ai pris un basique parce que j'aime bien les basiques et j'en porte tous les jours. Donc voilà, en tout cas j'aime vraiment beaucoup. Donc pour Primark, déjà tout d'abord je me suis acheté ce petit haut, il est vraiment trop beau. Il se met avec tout ce haut, c'est un truc de fou. Donc il m'a coûté 11 euros, je l'ai pris en taille 38. Il est juste sublime, les motifs sont archi beaux. Genre il y a du moutarde, du bleu, du noir et du lait cru. Et ça va avec tout, avec un jean, avec n'importe quoi, ça va avec tout. Et j'ai beaucoup aimé celui-là, en plus il a un super beau décolleté col V. Et moi j'aime bien les col V, donc voilà, et c'est un manche courte et c'est un peu crop top. Donc voilà, moi j'aime vraiment bien ce petit t-shirt. Ensuite je me suis acheté ce petit short. Alors il est trop grand, je pensais qu'il se resserrait à la taille parce qu'il y avait des petites ficelles, mais en fait pas du tout. Donc il est trop grand pour moi, il m'a coûté 3,50€, donc j'irai me faire rembourser. Parce qu'en fait je mets une heure pour y aller en transport, donc c'est un peu chiant. Donc si j'y vais c'est vraiment pour y aller, tu vois. En plus il est beau, genre avec des... Enfin moi j'aime bien le style un peu géométrique, j'aime vraiment beaucoup. Bon, tant pis tant pis. Ensuite, ça aussi, j'hésite à me faire rembourser puisque ça m'a coûté 15 euros, je trouve ça assez cher. Enfin, on se comprend, c'est du Primark, hein, les gars, on se comprend. Je vais vous rapprocher un peu de moi parce que j'ai l'impression que vous êtes très loin. Ouh, voilà, c'est un peu mieux, on est un peu plus proche. Donc, je me suis pris ce petit haut avec un petit nœud, un peu écru. La qualité, elle est belle, je trouve. Mais je trouve que pour 15 euros, enfin, je sais pas. Je l'ai essayé, j'aime bien. Après, on voit un peu trop le soutif à mon goût. Donc, je ne sais pas. Je pense que j'irai me faire rembourser aussi celui-ci. Donc, je l'ai pris en taille 38. Mais sinon, la coupe, elle est jolie. Genre, enfin, je sais pas encore, je verrai. Si j'y retourne ou pas, si j'y retourne pas, tant pis. Ensuite, je me suis pris un t-shirt vraiment basique qui m'a coûté 6 euros, toujours en taille 38.
C'est un t-shirt comme ça. Je sais pas si vous verrez les détails à la caméra. Oui, vous les voyez. Des petits détails comme ça sur le bas. Donc il est jaune, un peu crop top. Donc ça c'est bien pour quand t'as rien à te mettre. Tu veux mettre un basique avec un short taille haute. Tu mets ça et basta. Et la qualité est vraiment belle. Genre c'est pas de la mauvaise qualité. Ah attendez, j'ai pris taille M, mais c'est taille 40-42. Ah, j'ai pas essayé. J'espère qu'il va pas être trop grand. Ensuite je me suis pris un pyjama pampan, robe de nuit, où il y a pampan, donc ça m'a coûté 7€ ça. J'aime trop parce qu'il y a des petites paillettes et tout comme ça, c'est trop trop mignon. Et on dirait moi le matin. Donc voilà, ça me faisait rire et je trouvais trop beau. Wake me up for coffee, ça c'est trop moi. Donc voilà, j'ai pris ça, la qualité est vraiment très belle. Et aussi j'ai pris taille M, 40-42, mais en fait taille M pour moi c'est 38, c'est pas 40-42. Ensuite je me suis pris cette sublime combinaison, elle est trop trop belle, le motif est juste à la mode à donf, et par contre la matière elle est un peu, je sais pas si vous entendez, là-dedans tu transpires pas, tu ruisselles. Donc voilà, j'ai pris ça, donc c'est une combi short, elle est vraiment très belle, toujours avec un beau col V, et les motifs sont vraiment magnifiques. Enfin j'aime bien moi le kaki, je trouve que kaki ça me va autant. Vraiment je la trouve trop belle, ça m'a coûté seulement 8€, donc vraiment pas cher pour ce que c'est. J'aime trop, vraiment j'aime trop, j'aurais dû en prendre plusieurs dans ce modèle là avec différents motifs, parce que vraiment c'est super joli. Ensuite je me suis pris un peu dans la même forme, mais cette fois-ci c'est un peu effet lin. Donc j'aime beaucoup en fait ce détail de bouton, et je trouve ça trop beau. Le col est super joli, la matière est très belle, là au moins on transpire pas trop. On a des poches, ça arrive pas au ras des fesses. C'est très bien coupé et ça m'a coûté seulement 14€. 14€ qui sont vachement bien parce que je sais que ça va durer dans le temps, ça, cette matière là elle est vachement bien. Après avoir après le lavage, mais normalement ça devrait le faire. Ensuite je n'ai plus de short parce que je ne sais pas si je vous ai dit, mais j'ai énormément maigri. Je suis passée d'un 38-40 à un 36-38. Donc là, vous avez entendu la porte ? Quelqu'un qui est à la maison. Donc moi je me suis pris un short donc à 13€, un short kaki avec des petites poches, c'est un short taille haute. Il est vraiment trop beau, la coupe est vraiment belle, il y a des belles poches, les poches de derrière elles sont jolies, elles sont bien faites. Moi j'aime vraiment bien le style un peu cargo short, tu vois. J'aime trop ce genre de style là, je trouve que ça me va bien. Et ça m'a coûté 13€, donc vraiment je suis contente. J'ai pris en fait quelques petits shorts en basique, donc un kaki. J'ai pris ça, ensuite j'ai pris un autre short, que ça je vais devoir retourner pour m'en acheter parce que celui-là il est vraiment bien. Il coûte seulement 7€, la couleur est super belle et la taille est vraiment géniale. Après c'est vraiment une petite matière assez fine, c'est-à-dire que ça tu vois là ça risque de craquer très facilement, ou même le short risque de craquer très facilement. Voilà, mais en tout cas j'aime bien la couleur, le prix est pas très cher. Et j'aime bien la coupe aussi. C'est pas à ras des fesses. Ça que j'aime bien avec les shorts, c'est que c'est vraiment pas à ras des fesses. D'habitude, genre tu te baisses, on voit toutes tes fesses, c'est un peu chiant. Et là, 7€, bien coupé. Donc je pense que je vais m'en reprendre en blanc. Peut-être en blanc. Et j'avais vu il faisait toutes les couleurs, je crois, bleu, ciel, jaune, mais j'ai pas trop kiffé. Donc bon, on verra bien. Ensuite, je me suis pris un short brut. Comme ça. Un peu taille mom, ça aussi j'aurais dû m'en prendre en plusieurs couleurs parce qu'il est vraiment génial celui-là. Donc taille 38 aussi pareil, il taille super bien, il est pas au ras des fesses, enfin on voit pas tes fesses, c'est ça que j'aime bien. Je m'étais aussi acheté un autre short qui là par contre c'était trop au ras des fesses, genre c'était un tanga limite, enfin moi j'avais pas vu ça tu vois. Genre je me baissais, on voyait ma culotte limite, donc j'ai dit c'est mort, on next ça. Je m'étais aussi pris, et il coûtait 13€ donc je me suis fait rembourser. Je m'étais aussi pris une combinaison avec des bretelles, un bustier et les pantalons s'arrêtaient au niveau du genou, tu vois, genre... Mais j'ai pas trop kiffé, genre ça m'a rentré dans les fesses donc c'était pas terrible. Donc voilà. Je me suis acheté de la lingerie là-bas. Alors c'est la première fois que je m'achète de la lingerie à Primark. Franchement, à chaque fois on me dit ouais non prends pas et tout, c'est pas terrible. Alors je me suis acheté de la lingerie. Alors je sais pas si je vais vous le montrer en close-up, mais je me suis acheté une lingerie avec la culotte. Genre c'était 6€ l'ensemble, c'est vraiment pas cher. Avec le soutien-gorge qui est de cette couleur là. Et genre en fait le soutien-gorge est trop bien parce que derrière il n'y a pas d'agrafe. Le devant il n'y a pas d'armature, genre c'est comme une brassière si tu veux, et c'est trop confortable, genre je me sens trop bien dedans. Et la culotte c'est un
string, culotte. Moi de base je suis pas très string, j'aime pas que ça rentre dans le cul, genre c'est un peu chelou tu vois. Mais là ça va, je le sens pas, donc cet ensemble là est vachement bien. Je peux pas trop vous le montrer, c'est un peu chiant. Est-ce que j'ai pris... Non j'ai pas pris deux fois la même... Ouais. Mais en gros c'est des ensembles... Ah non c'est pas ça. Ouais bah je peux pas vous, enfin je vais pas vous montrer ma culotte portée ou comme ça. Ça m'avait coûté 6 € et franchement ils sont trop bien. Je vais m'en racheter parce qu'ils sont vachement bien. Ensuite je me suis pris ce petit soutif. En fait c'était avec la culotte là. Donc 6 € un soutif. Alors ça je l'ai pas encore essayé, faut que je vois. J'espère qu'il va pas être trop grand. Par contre il y a des coussinets là. J'aime pas moi les coussinets, j'ai pas vu ça. Bref, un soutif cette couleur là, en fait j'ai trop aimé, genre je l'ai trouvé trop trop belle. Donc j'ai pris ça et la culotte elle est comme ça. Donc vous avez de la dentelle devant et de la transparence de derrière. Donc ça a coûté 6 €, j'ai pris en taille M. Je me suis repris des cotons, voilà des basiques, 2 € celui-ci, 75 centimes celui-là. Je me suis pris des culottes noires à 3,50 €, donc il y en a 5 à l'intérieur. J'ai jamais testé, donc on va bien voir ce que ça donne. Ensuite, je me suis pris des chaussettes comme ça. Alors, celles-ci, elles sont vraiment géniales. Je les utilise je vais les utiliser pour faire du sport. Et je l'utilisais avant pour faire mon sport quand je faisais de l'athlétisme. Et elles sont vraiment bien, genre ça tient bien le pied, ça fait pas mal, etc. Et c'est très, très, comment dirais-je? Ici, ça fait du bien, genre c'est un peu molletonné. Et c'est génial, genre ces chaussettes, elles sont géniales. Donc, ça m'a coûté 4 €, il y en a 3. Donc, voilà, j'ai pris ça. Ensuite je me suis pris une palette. Alors c'est la première fois que je prends une palette à Primark hein. Franchement d'habitude je n'aime pas ça. Mais j'ai vraiment craqué sur son packaging, sur ses couleurs. Donc voilà son packaging comment il est. Et ça s'appelle Underground. Donc je vous montre l'intérieur. Alors pour trouver une palette avec sans doigt dessus c'est un peu galère. Mais en fait j'ai craqué pour cette couleur là. Je sais pas si vous verrez bien. Cette couleur là. En fait un peu tous les irisés. C'est quasiment que des irisés et moi j'adore les irisés. Donc je suis trop contente de l'avoir trouvé, celle-là aussi j'adore. Après avoir la pigmentation et tout tu vois. Mais regardez-moi ce Adventure là, il est trop trop beau. Bref j'ai trop kiffé celui-là, celui-là, celui-là. Les bleus, les violets, franchement j'ai trop kiffé. Donc voilà j'ai pris cette palette là pour seulement 10 €. Ensuite je me suis pris des bijoux. Donc je me suis pris un petit pendentif comme ça en or. En or, enfin doré. Qui est comme ça. Ça m'a coûté seulement 2 €. Ensuite, je me suis pris ce pendentif là. Donc, c'est un peu oriental, j'aime beaucoup. Genre, j'adore les bijoux un peu effet oriental avec ce genre de motif là. Je sais pas si vous voyez. Ce genre de motif là, j'adore. Je trouve ça trop trop beau. Donc, j'ai pris ça. Je me suis pris encore des petits pampins, je sais pas quoi. Je sais pas comment on appelle ça là. Des petites choses comme ça, comme ça. Donc seulement 3 € aussi ça. J'adore les bijoux à Primark, franchement c'est trop une bonne affaire là-bas. Ensuite, je me suis pris ça, donc c'est un range palette à seulement 6 €. Donc j'en avais besoin. J'avais vu d'autres petits range palettes et tout, genre à Pinky ou à H&M, etc. Mais j'ai pas trop kiffé. Et puis j'ai vu ça, je me suis dit vas-y, pourquoi pas ranger les palettes et tout. Enfin j'en ai pas beaucoup, mais enfin si j'en ai quand même pas mal. J'ai rien dit. Mais ouais, j'ai envie de ranger ça comme ça parce que je sais pas, j'ai envie de bien les conserver. Donc j'ai pris ça. J'ai repris des chaussettes noires. Alors j'ai pas trouvé les chaussettes de base que je prends d'habitude, donc j'étais un peu dégoûtée. Là j'en ai un, j'en ai combien, j'en ai 5 pour 3 €. Donc voilà, c'est des chaussettes comme ça. Je me suis pris, les gars, mais je pense que vous êtes pas prêts, un body. Mais le body, je l'ai essayé. C'est la première fois de toute ma vie en 21 ans que je me suis sentie belle en lingerie. Genre c'est la première fois que je me suis sentie à l'aise. Pourtant le truc c'est vachement osé, hein, je vais vous montrer. Mais c'est la première fois que je me suis sentie vraiment à l'aise. Et je pense que vous devez aller à Primark pour acheter ce body et l'essayer. Voir à quel point c'est trop beau. Donc en fait c'est un body comme ça. Alors oui c'est très osé. C'est hyper osé, c'est pour ça que je l'ai essayé. Je me suis dit il fait trop osé et on va voir ce que ça donne. Et en fait sur le corps... C'est juste sublime, vraiment c'est sublime. Donc je sais pas comment vous le montrer. En gros là vous avez la dentelle qui cache au niveau des abdos que je n'ai pas. Et au niveau du nombril.
Après, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est le clip. Parce que ça, d'habitude, là, dans les bodys, ça, c'est tout petit. Donc, comment veux-tu être à l'aise? Là, ça fait vraiment comme une culotte. Le derrière, c'est aussi comme une culotte. J'aimerais trop vous le montrer, mais YouTube va me censurer. Et en fait, tout le long, vous avez des petits lacets comme ça. Et ça fait pas du tout saucisson. Vraiment, ça que j'ai beaucoup aimé. Et ce que j'ai encore plus aimé, c'est le soutien-gorge. Donc en fait, là, il y a votre sein. Et il y a juste ça qui recouvre votre sein, vos tétons. Et je trouve ça, mais juste sublime. Vraiment, ce body, il vaut le coup. Si vous allez à Primark, essayez ce body. Achetez-le, je vous assure, vous ne regretterez pas. Il m'a coûté 16 €. C'est un beau body, c'est vraiment de la belle matière. J'étais vraiment très à l'aise là-dedans. Achetez-le, franchement, vous passez devant, vous le prenez sans hésitation. Il fait pas du tout saucisson. Moi, je l'ai pris en taille M, je fais du 38. Donc, ça, les gars, n'hésitez pas. Parce que il est vraiment magnifique. Je me suis pris une culotte qui me paraît assez grande. 40-42, mais oui, mais taille M, c'est pas 40-42 pour moi. Pourquoi j'ai pris... Ah, ça me saoule, en plus on va pas se faire rembourser ça. Donc il va être beaucoup trop grand en fait. Je suis trop deg. Il m'avait coûté combien? 5 €. Vas-y, mais qui revoit leur taille là. M, c'est pas ça. 40-42, c'est plus du L. Oh là là. J'ai pas regardé. Donc bon, il est un peu trop grand. Ça, je le vois direct, ça va être beaucoup trop grand. Ensuite, je me suis pris des petits bijoux encore une fois. Donc j'ai pris ça. Je le trouve aussi encore très très beau. Voilà. Un peu mélangé, mais en gros voilà, vous avez ce petit motif là, vous avez ça, et je le trouve vraiment très très beau. Donc ça m'a coûté 4 €. Ensuite je me suis pris un autre collier, je vous ai dit j'adore les colliers là-bas chez Primark. Donc j'ai pris ça, en fait j'ai pris juste parce qu'il y avait ça et je trouve ça trop beau. Genre quand t'as un décolleté en V comme ça, tu mets ça et c'est, je trouve ça trop beau. Donc ça m'a coûté 4 € ça aussi. Ensuite je me suis pris des lunettes de soleil que je n'ai pas encore essayé, enfin j'ai pris ça comme lunettes, ça m'a coûté 4 €. J'ai pris ça comme lunettes aussi. J'avais plus de lunettes de soleil, donc j'ai pris ça. Voilà, ça m'a coûté 3 € ça. Ensuite, je me suis pris des élastiques comme ça, parce que je les retrouve plus les miens. Enfin, je les perds tout le temps, donc j'ai pris ça. Ça m'a coûté 1,50 €. J'ai repris des beauty blenders à 1,80 €. Et je me suis pris des chaussures, alors ça j'ai pris en taille 39, mais j'aurais trop voulu les avoir en taille 40 parce qu'elles sont un tout petit peu just. Mais bon, pour le prix, ça m'a coûté 10 € et je les trouve vraiment très très belles. Enfin, c'est la qualité Primark, donc à voir comment elles durent dans le temps. Mais moi je nique mes chaussures, donc ça sert à rien que voilà, que j'achète des grosses choses. Et je me suis pris quasiment les mêmes en bleu, elles étaient à 9 €. Donc voilà, j'ai pris ça en taille 40 cette fois-ci. Donc voilà pour cette vidéo, il y a beaucoup de choses. Le body, franchement, c'est une pépite. Vraiment, n'hésitez pas à aller acheter ce body, vraiment trop beau. Moi, je vais voir pour me faire rembourser des articles là. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas, vous abonner à ma chaîne juste ici, c'est toujours pas fait. Je vous mets aussi dans une vidéo qui s'affichera juste en bas. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Bye bye.